Messieurs, vous êtes emportés dans ce qui semble être des rapides à très très bon mouvement en gros lake, bravo. Et donc, un avantage. Vous êtes... Comment ça gratte. Et oui, les autres, vous avez qu'à prendre exemple, vous n'avez pas à rigoler, donc gros lake, c'est un avantage. Mais donc, non, mais non. Bah si, il a le droit. Je prends plus dans ce jeu, c'est pas possible. T'enlèves ça tout de suite. Il est jaloux, c'est tout, t'es jaloux. Il a le droit, il a le droit, il est MJ, il a le droit, chers amis. C'est la règle aussi. Le MJ fait ce qu'il veut. Vous êtes en avant, en première, la justice, en première ligne. Alors, le play, c'est toujours récompensé. Vous êtes en première ligne, Théo, Runlek et Shin, avec votre planche de surf de glace exposée à la chute. Plus une que planche de bodyboard. Hein, si je... Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, t'as qu'à demander à Crane à son avantage. Oh là là, il a qu'à nous le mimer. Et soudainement, vous sentez qu'autour de vous, la densité de l'eau augmente. Mais c'est du sel. Je ne comprends pas pourquoi je flotte. J'ai des coups de paladin sur le côté. Tu vois les poissons qui remontent, il y a une concentration de sel trop élevée dans la flotte, quoi. C'est pas possible, on est dans un lac. C'est ça, quoi. Mais on est en train d'en chier tellement, c'est la violence. Mais du coup, vraie question, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je vois l'image. Je suis malade, mais je vois l'image. C'est comme si on était en train de tomber, en fait. J'arrive pas à visualiser le décor. J'essaye de bien rester accroché sur le radeau de fortune et je me tiens prêt à, dès que je vois un endroit où je peux propulser mon bras pour s'en servir de grappin pour nous accrocher, pour arrêter le courant et la rapidité, pour essayer de nous accrocher à un endroit et de nous faire dériver sur le bord dès que possible. Alors tu as éventuellement ici, tu auras qu'une seule chance de t'agripper parce qu'il y a des branches mortes qui se penchent, qui tendent vers le courant. Éventuellement ici, après ça sera too late. Donc, d'accord, j'utiliserai mon avantage pour faire plaisir, pour pouvoir réussir cette action. Ouais, on verra si ça sert. Et donc, tu avances et qu'est-ce que vous espérez faire de votre côté, le prochain agir, Théo. Moi je suis encore sur le cul de l'avantage, mais écoute. je vais me laisser glisser. De toute façon, c'est pas. Là, il y a pas de chute. Là, sur cette distance-là devant moi, il n'y a pas de chute. Non, il n'y a pas de chute, mais tout à l'heure, tu avais réussi ton test in extremis de physique pour orienter avec le bouclier. Donc, c'est grâce à l'orientation de ton bouclier que vous faites continuer tout droit. Donc, si tu fais autre chose, vous n'allez plus être orienté là-dessus, ça va être soumis à la force du courant. Donc, c'est un mélange entre la plateforme conçue par Shin pour vous maintenir vers la surface de l'eau et le fait que tu diriges en utilisant le bouclier avec le courant dans ton dos. Donc, du coup, pour l'instant, je continue à gérer le courant avec le bouclier. Si j'ai quelque chose qui me vient en esprit, je te dirai. Et je vais, d'accord. Oui, j'en profite aussi. En fait, c'est un peu comme si tu retardais ton initiative pour agir. Oui, c'est ça. Okay. Juste une petite chose pour les. Vu qu'on est accroché, je le dis aussi à l'oral. Tenez-vous bien, je vais essayer de nous sortir de là. Voilà, pour que. Pour mieux échouer par la suite, c'est important. Est-ce qu'il y a des grosses branches qui surplombent le cours d'eau? Est-ce qu'il y a des grosses branches qui surplombent le cours d'eau ici? Alors ici, ce n'est pas des grosses branches, c'est plus des feuilles. Donc toi qui as réussi ton test de vie en nature tout à l'heure, je te le garde actif et tu analyses facilement que ça sera, tu vas plus choper des feuilles que des branches fines. D'accord. Ou alors celui-là, est-ce qu'il y a des grosses branches? Parce qu'en fait, voilà ce que je voulais faire, c'est utiliser le radeau de fortune pour me propulser et me foutre sur la branche et choper les mecs qui vont arriver juste après moi. Quoi. Avec tes jambes? Ouais, m'attacher avec les jambes sur la branche comme ça, à l'envers, et avec les bras choper ceux qui arrivent comme ça. Attends, c'est quand même plus facile de t'attacher avec les bras à la branche et de laisser les gens s'accrocher à tes jambes. Mais c'est moins classe. j'accepte, c'est un vrai argument. Je dis oui.
D'accord. Et du coup, je voulais savoir si les branches étaient suffisamment solides pour supporter le poids de, par exemple, 3 personnes ou mais quoi. Mais t'es pas plus léger, toi, il y a pas un truc comme ça. Pour moi, c'est non, bon, mais pas c'est comme Legolas. Ah. Si je dois hisser des gens, c'est surtout ça le truc. D'accord. Ça va être un peu chaud parce que ce qui va se passer, j'attends, c'est qu'il y a déjà Grunlek qui essaye son action et toi, pour l'instant, tu es concentré pour maintenir la planche. Le seul qui est vraiment qui peut potentiellement agir, c'est celui qui n'est pas actif dans l'action. Ça veut rien dire actif dans l'action. Oui, non, actif, oui. Là, c'est c'est-à-dire Grunlek parce que personne n'a besoin de lui là. Il a juste besoin de s'agripper. De personne son côté, n'a besoin de toi. Toi et ton avantage. Donc je t'aide à sortir de l'eau tout à l'heure. Là, je vais essayer de nous aider à ressortir de l'eau. Et monsieur boude parce que j'ai eu un avantage. Ah bah, il est en train de faire un arrêt cardiaque, trop de sel. Hein, moi, écoute, je ne veux pas mettre en contradiction tes énormes performances d'acteur, excuse-moi. Voilà, c'est ça. Sponsorisé par la baleine. C'est ça l'esprit du jeu de rôle, tu vois, la solidarité, la création d'un compte, c'est ça, l'entraide, interactif. Voilà. C'est formidable. Et donc, vous avancez. Grunlek, je vais te demander un test de physique, s'il te plaît, pour saisir ça. Et Bob, t'es encore dans la conscience, donc tu peux éventuellement agir. Ah non, mais je sers à rien. Avec Victor et je vais Arcana. Agir le plus possible. Normalement, Arcana est sur moi et Victor aussi, mais. Je vous laisse déplacer vos personnages par là, messieurs. Mais il faut que tu déplaces les deux tokens Arcana Victor, je peux pas le faire. Mais du coup, je peux bouger Bragg, moi, y a pas de soucis. Donc du coup, je reste toujours en groupe, en meute avec Arcana Victor, Bragg, Bob, parce que cette espèce de catamari nous permet de flotter par un miracle physique que j'ignore. Et du coup, l'objectif, c'est bien sûr de se battre de manière à flotter le plus possible ou à éviter de surmourir. Grunlek, Shin, suivez à. Théo qui a suivi l'action et qui se dirige. Mais du coup, c'est pas Grunlek qui doit agir en premier. J'ai une question. Est-ce que j'ai toujours mon bâton ? Non. Ah, je l'ai perdu. Tant pis. Bon bah, tant pis. Grunlek a eu le temps d'agir avant qu'on arrive à ce niveau-là, j'imagine. Non ? Enfin. C'est vers ce niveau-là qu'il doit agir apparemment. C'est à ce niveau-là où il doit agir. C'est à ce niveau-là ? Oui, exactement. C'est à ce niveau-là. Et ce que je disais, c'est que vous aviez qu'un seul passage pour vous en sortir, qui était celui-là. Je vais faire un dé ouvert de ton côté, Bob, après que Grunlek va agir. Par contre, avec toute la difficulté, la fatigue qui s'accumule, le manque d'oxygène, enfin du moins l'arrivée d'oxygène qui est plutôt anarchique. Je suis parfaitement d'accord, j'aurais dû être dans l'inconscience depuis très longtemps, sauf si tu réussis ou échoues ton jet, je l'ignore. Grunlek, je vais te mettre un malus de 20% à ton test. Et je peux le contrecarrer avec mon avantage ? Bah, tu peux avoir un bonus de 10% avec ton avantage, donc ça te fait un malus d'accord, de 10. Okay. Et j'en profite juste pour dire, c'est pour tous les commentaires qui sont en train de hurler « Bob, mais transforme-toi en démon, Bob, laisse parler le démon à terre !» Oui, mais tu te transformes pas en démon de feu, tu te transformes pas en démon de feu dans l'eau, pour des raisons évidentes. Mais pourquoi faire si tu nous tues en te transformant en démon Game over, t'es pas... Exactement, voilà, c'est pour ça. Donc, plus, ça si je, j'ai je bien compris le concept de ton personnage, Bob, c'est de ne pas céder à la première tentation qui passe. Oui, mais là, c'est une question de vie ou de mort. Cependant, ça sert à rien, je suis dans la flotte, tu n'allumes pas un briquet sous l'eau. Bien, le truc c'est un instant. Non, mais ouais. Grunlek, fais-moi le petit chihuahua de physique. Donc, à 60, 10. 65, moins 10, 55. C'est parti. 67, ah, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous mimer ton échec? Oh. C'est pas possible. C'était de bonne guerre, j'avoue, c'était de bonne guerre. Donc, tu. Ton bras qui se disloque de nouveau et tu essayes de saisir la branche, ça passe à côté et vous voyez les chances s'amenuire, chance, non il a loupé et c'est très étrange ce qui se produit. Bob, est-ce que tu peux retirer ton casque? Ah merde, ah, je suis dans l'inconscience. Pas pour ça mais... Un Deus Ex Machina. Théo, est-ce que tu peux retirer ton casque, s'il te plaît ? Grunlek, enlève ton short. Shin. Grunlek, vous vous sentez happé, mais vous sentez votre force vitale s'amenuire. Vous avez l'impression qu'on vous aspire la vie. Quelque chose vous l'enlève, quelque chose qui n'est pas naturel et qui n'est pas physique. Vous vous sentez faible, et à ce moment-là, vous voyez presque se matérialiser
des sortes de chaînes d'énergie autour de Théo, dont une qui saisit la branche sur laquelle devait s'agripper Grunlech. Et en quelque sorte, cette transition d'énergie vous permet de vous sauver la vie, en quelque sorte. Il est en train de me tuer. Allez, mettez les casques, mettez les casques, mettez les casques. J'ai 2 PV. Eh bien, tu t'en enlèves. Toi aussi, grand mec. Donc, tu ne sais pas par quel... Ça fait plaisir, il m'enlève. Très bien, j'adore ce jeu. Je ne sais pas ce qui se passe, miracle, mais on voit le nain souffrir. Probablement la chance, Théo, qui a fait que au dernier moment, tu as saisi une opportunité de d'agripper une branche qui dépassait ici. D'accord. Et donc, Théo, in extremis, tu sais pas par quel miracle, tu réussis à l'agripper. Peut-être qu'il y avait un caillou, peut-être qu'il y a un mouvement de bouclier t'a permis de lutter de manière providentielle contre le courant et qui t'a permis d'être propulsé. Et tes deux amis, Shin et Grunlech, sont avec toi et tu réussis à les agripper vers la rive. Pendant ce temps-là, Bob, tu es complètement inconscient, je vais faire un dé ouvert. Si, pour savoir si je perds conscience, parce que j'ai toujours mon PV, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Ah ouais. Non, ok. Donc, pour le coup, moi j'ai pas agi, j'ai juste perdu un PV. Ouais. Je fais que subir. Est-ce que tu voulais faire quelque chose ? Excuse-moi, est-ce que tu voulais faire quelque chose ? Si j'ai le temps, enfin si je peux faire ça, monter sur l'arbre en fait. Faire ça. D'accord. Comme action, moi. Ou j'ai juste eu le temps de me mettre sur la rive avec Théo. Et c'est Gonec. Grâce à Théo que tu as réussi à te monter sur la rive et puis après à grimper. Je te fais pas faire de test. Hein. Le temps que Bob et les autres arrivent, tu vois, qu'ils arrivent à notre niveau, j'arrive à grimper. Le temps, oui et non, parce que c'est quand même assez rapide. Donc, très rapide. Oui, elle le dit. J'ai l'impression que ça se passe comme dans un toboggan de piscine, tu sais, où tu tombes du toboggan, c'était marrant, mais après t'as les gros qui arrivent derrière, faut vite que tu nages avant de te prendre dans la nuque. Arcania qui arrive avec sa lance comme ça. La troisième vertèbre. On a le droit à Arcania. Il y a un moment. Tu vas y arriver. Tu y es presque. Ouais. Donc, j'essaye d'être un peu méprisant en fait. Ça y arrive bien. Très bien. Ça marche bien. On y croit. Les mecs, la dissidence quoi. Alors. De toute façon, les trois, on va réussir à les agripper tous, j'imagine. Oui. J'imagine. Alors du coup, que se passe-t-il ? Est-ce que je garde mon inconscience ou je reste dans l'inconscience la plus absolue ? Je tombe dans l'inconscience, pardon. Non, tu ne tombes pas dans l'inconscience, tu vas me faire un test de physique. Tu luttes un peu contre les éléments de manière totalement inattendue et t'es pas du tout habitué à ce genre de... 1d30, le focus... Enfin, 1d30. 30 de score, le focus compte. Oui. Vu que je l'ai changé précédemment, je veux survivre. Je te parle. 33 grâce au focus. Au moment où il me l'accorde, t'aurais jamais dû, roll de dice. Moi, je renverse les situations, moi. Voilà. J'avoue. Donc, par contre, tu... Ah, c'est miracle. Ce quai est largement occupé. Donc, tu vas en face, tu vas profiter un peu du léger dénivelé. Tu donnes le petit à-coup avec le bout des pieds, comme ça, alors que tu arrives au fond de l'eau. Tu sais, le petit à-coup pour arriver à la surface. C'est marrant parce que j'imagine mon perso avec les bras croisés, l'air boisé. Et à la fin, il fait... Ah. Dans le pire des cas, la rivière est pas large. Grunlech aurait pu la tirer ici, quoi. Oui, mais au Rocket Punch, quoi, donc voilà. Et du coup, est-ce que j'arrive à emmener toute la boule de Katamari qui, eux, vont réussir à s'accrocher aussi s'ils y parviennent, parce qu'ils ont vachement plus de PV. Je vais faire le test d'Arcana. Hop. Arcana a toujours sa lance, donc ça peut servir. Si elle nous la brandit vers nous... Ah mais non, moi, ça veut dire que j'ai toujours mon bâton aussi. Arcana, donc... c'est bon. Victor, non. Ah merde. Souvenez-vous de moi comme ça, c'est pas. Souvenez-vous de moi comme Bonjour, un protagoniste. Je suis Victor. Je ne suis pas un PNJ. Et donc, avec le cri de Dingo, de... même ça j'ai raté. Est-ce que je peux tenter de l'attraper avec mon bras si jamais je vois qu'il s'éloigne, qu'il n'arrive pas à se rattraper lui-même. La dernière chance, pourquoi pas. La dernière chance. Attends, je vérifie quand même. Tirer dessus. Il y a encore quelques mètres de rapide et puis après il y a la descente. Ça fait beaucoup de distance, hein. Il aurait fallu que tu essaies de le rattraper vers ici à peu près. Ah oui, mais vous étiez en train de parler, je peux pas vous... Ah d'accord. À ce moment-là, donc... quand je vois qu'il arrive pas à se raccrocher à ton niveau, que j'essaie de le rattraper. Et vas-y. Parce que Arcana est désolé, mais sa priorité c'est Brag. La vie d'un PNJ dépend de toi. PJ.
On t'en voudra pas, écoute, t'auras essayé. 11. Oh, ah, ben, oh, magnifique. Voilà. Il ne mourra pas. Oh là là. Est-ce que tu m'enlèves, s'il te plaît, tes psys systématiquement? Oui, à chaque fois, j'enlève les psys. Donc là, je vais enlever. Donc, de nouveau, ton bras se disloque, il se tend, et tu saisis donc le bâton de Victor qui voit l'action et simultanément donc se tracte vers toi. Putain, c'est vachement utile ton truc de bras là. On serait mort deux fois. Le Rocket Punch, faut pas se foutre de sa gueule. C'est utile offensivement, défensivement, en termes d'esquive et même situationnellement. Pratique, ouais. Non, vraiment, une vraie boîte à outils, quoi, mec. Théo, cependant, alors que vous êtes en train de reprendre votre respiration, tu sens un regard suspicieux et lourd posé sur toi de la part de Shin qui grimpe à l'arbre et de la part de Grunlake qui vient de tracter votre ami Victor. J'ai cru que t'allais dire de la part des araignées dans les arbres. Pas tout de suite. Attends, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est parce que je suis noir, c'est ça ? La planche de surf, elle continue sa vie. Non. Vite, utilise ton bras, essaie de la... Utilise ton bras. Elle l'oublierait jamais. Tu as sauvé la vie. Tu vois Shin qui plonge, voilà. Alors on a réussi enfin à s'extirper. On a froid. On a des blessures de partout. On a mal. Il est essentiel qu'on réussisse à se rejoindre, à faire un feu, à se poser pendant 5 minutes. Parce que je vous préviens, dans cet état-là, personne ne peut courir. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que vous restez ici ? La nuit est noire. Le ciel est encore épais. Il y a un léger brouillard qui est dû à la condensation des rapides. Et vous n'êtes pas forcément au meilleur endroit pour vous abriter. Mais non, il y a le bruit, on se planque un peu. Il y a l'eau. Il y a l'humidité, vous êtes pas forcément à côté de la rivière, mais si on s'éloigne de 5 minutes à pied d'ici, on doit pouvoir trouver un endroit où on peut poser un campement un peu au chaud. C'est ça, parce que est-ce qu'on s'est suffisamment éloigné de... Est-ce que je peux faire une suggestion ? On vient de sortir d'une caverne avec un cours d'eau qui nous a mené dans ce sens, on est d'accord. En long, en large, en travers. Là, on est enfin à l'air libre. C'est une certitude que ça veut dire que cette formation rocheuse doit être veinée de genre de petites cavernes, de trous ou au moins de criques, un endroit où on pourrait faire un feu sans se faire repérer à 800 bornes. Parce que voilà. Donc, il faudrait qu'on longe ce morceau de rocher. Je dis celui-là parce que j'ai pas les PV pour traverser la flotte, je vous préviens. Il faudrait qu'on longe ce morceau de rocher. Vous pouvez peut-être passer par là, il y a une crique, quelque chose. Longer ce morceau de rocher afin de trouver enfin un interstice dans lequel on puisse se planquer, se sécher et puis se soigner, quoi. Alors, pour répondre à ta question, Bob, oui et non. C'est-à-dire que tu ne perçois pas de criques ou de formations type gruyère dans cette roche. Par contre, tu perçois par là des nivelés donc, et on dirait des sortes de collines rocailleuses contre lesquelles tu pourras t'abriter naturellement. Oui, dans ce cas-là, oui. Avec grand plaisir. Ça. Je demande à Arcadia, à la fille. Est-ce que Bragg est en vie ? Deux choses. Bob, fais-moi un test, s'il te plaît, de perception. Perception. Donc, mental, j'ai 75, si je m'abuse, avec mon focus, si ça compte. Ça compte toujours, d'autant que tu l'avais réussi, ton action précédente, grâce au focus. Grâce au focus. Un peu galvanisé. C'est donc, canon. 80. Donc 80 et j'ai 90. Combien ? T'as 10 en perception, donc 10 t'as en 90. 90. 30. Putain, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, oui, mais les 30... Sérieux, les mecs. J'avoue, ah, il est beau, hein, je suis sur mon train. Je vous reconnais pas. Donc, tu perçois un mouvement entre les feuillages qui oscillent à cause du vent. Tu sens le percevoir, donc dans cette même direction, une petite lumière, une luminosité qui pourrait être un feu. Eh ben, on va s'y diriger. Ça m'a l'air intelligent de s'y diriger pour deux raisons. La première, c'est que si c'est le feu des gens qui nous poursuivent, ça ne fait aucun sens qu'ils soient allumés et qu'ils soient là-bas, alors que les mecs étaient à notre cul. Et que je pense difficilement qu'ils auraient pu nous précéder ici vu la vitesse à laquelle on s'est emporté par les courants. Alors tu me trouves un cheval ou un mec qui va plus vite que la flotte. Ça veut rien dire. Ou alors ça veut dire que c'est un campement militaire. Dans ce cas-là, on les verra de très loin. Mais si c'est un campement militaire, tu as fait ça de manière fugace. Hein, tu as réussi de 60. J'entends. Mais si c'est un campement militaire, il y a pas un feu qui est tout petit. Non, ça veut dire que c'est un chasseur, un mec, un petit train, rien du tout. Si c'est un campement militaire, t'as des brasiers, des tentures, un bordel. On a qu'à s'approcher et on envoie Chine pour aller vérifier. C'est une bonne idée.
pourquoi au casse-pipe avec mon petit PV. Mais non, c'est toi le ranger. Quoi qu'il advienne, chers amis, je vous propose. Je vous propose de se barrer d'ici et de retourner chez nous. Enfin, du coup, moi qui je suis sur l'arbre, j'ai rien observé. J'allais répondre à la question d'abord de Théo, mais d'un point de vue chronologique, c'est Shin qui est monté d'abord à l'arbre pendant que Théo. Donc, Shin. Oui, bah, c'est ce que je demandais. Dans, que j'ai dans ce cas-là, je vais le dire à Shin. Je vais le dire à Shin. Là-bas, c'est pas un feu. Tu vois quelque chose, bah... Shin? Que voient tes yeux de tes yeux? Fais-moi un test. Bah, du coup, j'ai dû voir ce que t'as vu. Donc voilà. Mais est-ce que voilà, tu vas avoir peut-être une meilleure visibilité? C'est ça. Vas-y, tu vas me faire un test de mental plus vie en nature plus focus. T'as 65 plus 5, 70 plus 10, 80. 24. Tu vois mieux, effectivement. Mais mec, c'est beau. Tu vois non seulement la description que j'ai faite à Bob, mais en plus de ça, tu vois l'angle. Tu vois la silhouette, mais l'angle d'une charrette dépassée de feuillage, ainsi que plus loin, quelque chose de suspect a bien réussi ton action. En plus, t'es en hauteur. Donc, tu vois des silhouettes suspectes, pardon, qui semblent être, tu sais pas trop, canines, félines, qui sont pas humaines, mais beaucoup plus éloignées de ce qui pourrait te sembler être un campement. Le problème, c'est que si on voit une charrette, il n'y a pas d'église contre laquelle la balancer, quoi. C'est ça. Alors... Un peu chier à côté, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, en parlant de ça, on n'a pas le cheval de Théo, enfin de Victor Théo. Et Eden. Non, ils se démerderont. Qu'il va falloir retrouver à un moment. Ils se démerderont. Bah, Théo, maintenant, pour répondre à ta question, comme dans Ocarina of Time. Bob, pour répondre à ta question, Bragg est affalé, son dos allongé contre le côté, et Arcana la tient, et peut-être pour la première fois depuis que vous la connaissez depuis peu, vous ne l'avez pas vu exprimer autre chose que de la sévérité. Une certaine forme de pitié semble se dessiner sur son visage. Bragg est pas encore passé à trépas. Il a les yeux mi-clos. Son corps tout entier semble beaucoup plus lourd. Ce n'est peut-être qu'une question de minutes. Messieurs. Est-ce que je peux essayer de le sauver? Ah, je croyais que c'était la fin, moi, pardon. Non. D'accord. Le sauver, bah, déjà, trouver un moyen de traverser, primo. Secondo, moi, une vraie question, Maillard, de mon côté. Est-ce que... Je vais répondre déjà à la première question. Par là, vers les rapides, donc là où Victor aurait fini sa vie, il y a un rocher avec un amas de branches. Donc, en étant à partir du bord, vous pouvez faire un saut ou deux pour vous retrouver de l'autre côté de la berge. Du coup, on peut tous se mettre du même côté de la rivière, donc. Voilà. Égal. Et ensuite, deuxième question, est-ce que, quitte à sombrer dans l'inconscience en puisant dans mes derniers points de vie et de mana et de psy, parce que je suis en focus et que j'ai un point de vie et un point de psy, j'ai juste assez pour tenter d'invoquer Brasier. Est-ce que dans mon inconscience, Brasier est décaste? C'est la vraie question, ça. Oui. Ah, merde. Bon, du coup, ça tue le purpose. Parce que si j'avais réussi à invoquer Brasier, mon cadavre et celui de Bragg, on aurait pu le mettre dessus et vous auriez pu au moins vous casser avec au moins un cheval. Tu veux dire si tu es... il se décaste si tu es inconscient? Oui, c'est-à-dire si je l'invoque, j'avais pas compris la question. Non, il est pas, il disparaît pas spécialement. D'accord, très bien. Bon, ça veut dire qu'il est pas en connexion constante et qu'il est en on/off. Non, mais de toute façon, tu le commandes pas mentalement, donc c'est une créature que tu invoques. Bah du coup, est-ce qu'il est sauvable encore, Bragg? Non, mais l'important c'est pas de savoir s'il est sauvable, c'est l'important de savoir s'il est transportable, parce qu'il faut se casser d'ici en fait. Il est transportable, de là à dire qu'il est sauvable. J'avais dit précédemment qu'il était condamné. Après, si vous me réussissez des tests ou si vous me trouvez une bonne idée ou si vous puisez dans votre propre énergie vitale, ce que tu peux faire éventuellement, Théo, mais est-ce que tu es prêt à le faire? C'est la question. Moi, je pensais le foutre à la flotte, donc... Tu le mets... Pour moi, il est cané depuis le début. Mais ça, c'est trop fort. Tu le mets sur un radeau de glace Viking, ouais. Et moi, je lui mets le feu. Et tu sais, t'as un radeau de glace en flamme qui se barre. C'est classe. Et on est repéré et on est mort. Ah oui, merde, ouais. Moi, je pense au petit village, genre à 3 bornes plus loin, tu sais, qui se regarde, qui est en train de faire son linge, puis qui voit un morceau de glacier en flamme. Je suis pas encore mort.
Parce que c'est trop fort, c'est la gonzesse, elle continue à faire son linge, elle s'en fout, tu sais, en mode PNJ. J'ai rien à voir avec ces affaires-là, moi. Bah écoute, je vais tenter un dernier truc. Je vais demander à Arcania, est-ce qu'elle est prête vraiment à sacrifier sa vie pour sauver Bragg? Mais demande à Victor! Pourquoi? Parce que Victor, il a plein de psy, c'est un paladin de la lumière. Peut-être que vous pouvez vous toucher les mains. Il a une dette envers toi. Non, peut-être que vous pouvez vous toucher les mains et transférer juste de la mana, parce pas. Que vous avez dépassé vos tokens, mais vous vous réunissez plus loin en combat. Ah d'accord, bah, okay. Bah écoute, on va aller au campement et ensuite j'aurai peut-être quelque chose à lui proposer. Réunissons-nous au contrebas. Il va casser la pipe d'ici là, je pense pas qu'il va tenir toute la soirée. Il est transportable, réitérer ce que j'ai dit par rapport à la réflexion de Bob. Est-ce que je peux tenter dans ce cas-là ce que j'ai proposé, le cast du cheval, quitte à être inconscient, mais de manière à ce qu'il soit transportable, entre guillemets. Ouais, oui, pourquoi pas. Pour 3 de psy, donc moins 1 grâce à la focus, moins 1 grâce à mon psy et moins 1 grâce à mon PV. Truc qui est risqué à temps. J'ai combien? C'est 75? Oui. Plus 5 de focus, puisque c'est canon. Attention, le lancer de l'amour. Le lancer de l'amour. Ah, on y croit! Non. Très très bien, c'est très très bien, c'est exactement ce qui se produit, et sa punchline, c'est le lorsqu'il tombe au sol, Arcana le ramasse comme un sac de blé et le pose sur, magnifique, je t'accorderais presque un avantage si t'étais en vert, et donc tu t'es posé sur ton cheval, Braise, et aussi de son côté, Bragg, elle guide... Elle n'a pas par la bride parce qu'il n'y en a pas, mais elle dirige donc Braise qui est là. Et donc, comme je vous l'avais indiqué, messieurs, ici, par le passage, vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Voilà. Bon ben, impeccable. Ce que tu avais remarqué, Shin, tu le vois ici. T'es aussi Bob, mais bon, t'es dans l'inconscience. Je vois plus rien, je suis dans l'inconscience, je mets la couverture parce que je suis malade. Voilà. J'ai froid. Voilà. Cette peau de bête. Hop. Et tu vois sortir. Tu vois. Hop. Un cheval aussi. Shin, je te laisse avancer jusque là. Théo, toi aussi tu le remarques. Victor également. Grunlake, si tu les suis, tu le remarques également. Il y a personne aux alentours. Il y a qu'un seul cheval et le feu. Tu vois le premier à voir, donc c'est Théo. S'il y a une autre personne, hop, ici. Je ferais bien les bruits d'animaux pour essayer de créer la panique s'il y a des gens à côté. Dans les films. C'est une femme, c'est un homme. Vous êtes trop loin pour le remarquer. Oh bah, il est tout seul, de toute façon, on le défonce au pire. Vas-y. Attends, s'il y a qu'une personne, mais du calme, là, monsieur, là. Je voulais pas vous faire un test pour pas passer. Loyal bon quoi. Je veux dire, faire de test pour passer par là. Et vous vous retrouvez de l'autre côté. Vous voyez le campement, ce qui semble être le campement. Par là, vous voyez premièrement une charrette et deuxièmement, une dame d'âge relativement avancé. Ce sont deux femmes, pardon. La première donc doit avoir la quarantaine, 45 ans, et celle-là doit avoir la vingtaine. Un air quelconque, mais l'air occupé par le cheval, et surtout très surprise par votre arrivée soudaine. Et on fait ça. Hola, nous sommes des aventuriers. N'ayez pas peur, nous sommes juste une bande d'aventuriers un petit peu fatigués. Personne se prétend comme étant des aventuriers, mec, ça fait bandit. Enfin, bon, je suis. Bah, ouais. Oui, c'est vrai. Si. Oh là, nous sommes des aventuriers. Aventurier, c'est une classe, hein, je vous rappelle, à part entière. Sachant que la classe à part entière se traîne une certaine réputation. Bon, très bien. Alors, hola, je suis inquisiteur. Ah, c'est mieux. Ce qui n'est pas vraiment mieux, en fait. Ouais. C'est tellement pas mieux. C'est tellement classe. Tu vas tout simplement me faire un test de social, s'il te plaît. Mais dans l'ordre, est-ce que vous voulez vous concerter sur votre manière d'aborder le campement? Oui, ouais, on peut pas réveiller Bob parce que l'inquisiteur il va tout faire foirer. Enfin, je suis dans l'inconscience, mais je le dis quand même, parce que sinon on n'avancera jamais. Les enfants, pensez à Victor, je rappelle qu'il a des jets de social de malade. Oui, c'est plutôt lui et qui doit faire l'interface. Et que vous l'avez sociale. Sauvé. Donc il est pas censé exister là, il est c'est un. Voilà. Oh, bah, ok, donc, on va laisser Victor c'est une parler, bonne idée, hein. Mais je suis dans la.
Bob, donc, passe en premier. Après, il va dire la même chose que moi. Hein. Bonjour, je suis inquisiteur. Oui, mais... comment ça, tu auras des meilleurs jacques, toi. Attends, pourquoi tu dis Bob passe en premier? Non, il voulait dire Victor, je pense. Je veux dire Victor, oui, pardon. Ah, Victor, Victor. Ouais, Victor passe en premier et dit « Vous aiderez bien un vieil homme. » Pour te parler. Accompagné de ses neveux. Il y en a, il est bleu dans le talus. Et bon, je t'invite... Théo, à faire le test de Victor, hein, vu que tu l'as incarné. D'accord, donc, avec les stats de Victor. Je les ai sous les yeux, oui. Donc, 70, parfait. 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 Donc, tu réussis à attiser l'étincelle de confiance qui suffit pour qu'elle baisse les épaules. Mais vous êtes tout trempé, que vous est-il arrivé? On a fait du surf. L'aquasplash, l'attraction, qui est vachement bien. Ouais, voilà. D'ailleurs, regardez la photo, on le est tous goût sur... du menhir. C'est ça. Mais vous avez peut-être besoin d'aide, de couverture. Si on pouvait se réchauffer au coin du feu, ma très chère sœur, vous en remercierais vraiment. Apporte des couvertures, s'il te plaît. Elle se tourne donc vers elle, donc qui a la tête enfouie dans sa capuche. Et par-delà ses épaules, dans l'horizon, Chine, tu as réussi ton test de perception tout à l'heure, il me semble. Oui, très bien, à 24 ou 26. Oui, c'est ça. Et tu remarques ce que tu redoutais tout à l'heure. Dans l'horizon des collines, se dessinaient l'échine de créatures menaçantes.